Voilà, bonsoir ou bonjour, c'était pas prévu, j'ai donc pris, par contre là c'était prévu, j'ai pris le pack Horde Command, et donc je vais vous présenter un mode Horde dans une map, donc dans une des trois maps que comporte le pack, avec un personnage qui fait aussi partie, enfin en skin du pack, je crois que c'est Darmin, et il fait partie du pack, mais il est habillé différemment. On va le faire en privé, difficulté normale. Commencer la vague 1, sous forme de vote, un mutator j'active pas, je sais même pas ce que c'est. Ok, voter. Je vais héberger plutôt. Et ouais. Donc voilà. On va commencer. Je vais faire peut-être une manche, à mon avis sûr, à moins que je me fasse tuer. Mais je vais faire deux manches, deux, trois manches, pas plus. Alors on va choisir donc pas Azura. Azura fait partie donc du pack. Ensuite il y a. Merci aussi, fait partie du pack, je crois. Et Poumon Noir. Ouais, je crois. Poumon Noir. Donc là, enfin Poumon Noir, c'est même sûr. Bah c'est parti. Sélectionné, c'est bon. Donc voilà, la config personnage, donc c'est lui. Et comment s'appelle-t-il ce petit? Bon, peu importe, je crois que c'est ça. Hein. Enfin, je crois que c'est Darmin, je crois. Donc quoi d'autre? Oui, voilà, ben j'ai mon Lanzor qui est avec un skin dessus que j'avais déjà au départ. Hein. C'était pas dans le pack. Et le fusil destructeur qui est en chrome. Enfin, ça se voit pas ici peut-être, mais il est chromé. Commencer, allez, on va pas traîner. Voilà. J'ai fini le jeu donc, ce qui m'a permis de débloquer certaines choses. Notamment, je crois, dans le mode Horde, les infectés. Et je sais, parce que je l'ai vu, qu'en fait, on se bat contre les locustes et contre les infectés aussi. Mais les locustes n'aiment pas les infectés aussi. Je les ai vus se battre. Allez, c'est parti. Donc après je vais moins parler, là je vous fais juste puisque je ne suis pas comment dire pris par le temps, je vais vous montrer un peu la map comme ça vite fait. Un hélicoptère en haut qui tombe, je ne sais pas. Ça monte et ça descend ce truc là, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a des boutons pour activer ici des barrières protectrices. Bon, je vais me dépêcher parce que sinon, alors, on va prendre un poste, acheter un poste de commande. Est-ce que je peux pas l'acheter ailleurs ce poste de commande? Ce n'est pas très bien placé là, je vais voir. On peut noter donc le skin du personnage qui est vraiment très très bien. Ah, il est parti l'hélico, non? Ah ouais, l'hélico est parti. C'est évident ça. D'accord. Ok. Voilà, c'est là. C'est cette base-là. Je sais pas si j'ai acheté d'argent au départ pour l'acheter. Voilà, là j'ai établi ma base. Voilà, je peux, parce que j'ai de l'argent, je peux faire ceci. Ou pas. Donc pour la première fois, je vais pas mettre de barrière, je vais laisser comme ça. Et je vais les attendre et puis on va faire en sorte. Bon là, je vais plus parler et puis bah voilà, c'est parti. Encore 14 secondes à m'entendre. Et après je parle. Donc les barrières, je peux les acheter ici. Je peux avoir d'autres bases de l'autre côté aussi. Et je peux prendre des munitions que je vais me prendre aussi. Voilà, là j'ai plus rien. Chose, oui, vous avez des challenges pendant que vous jouez, style tronçonner 6 mecs, etc. C'est voilà, vous le dites. Voilà, ça vous rapporte de l'argent. Voilà, je dis plus rien. Encore ça. Thank you.
c'est la première fois que je meurs en... C'est affolant. Je meurs jamais pratiquement la première. J'ai voulu mettre un shoot, c'est pour ça. Ouais, je recommence la vague en cours, c'est un peu logique. Je vais aller plus vite, hein, parce que sinon c'est pas marrant. Allez, on va faire créer une base ici, ça va être marrant. Voilà, comme quoi, je change un peu, hein. Voilà. En revanche, je vais me prendre ici l'arrière. Ah, j'avais la possibilité de mettre une tourelle ici. J'ai pas assez d'argent. Alors, je vais attendre et puis, bah, quand j'aurai de l'argent, je vais mettre la tourelle ici. C'était bon ça. Thank you.
rattrape un peu le mauvais jeu que j'ai fait. Hein. Voilà. Normalement, je suis jusqu'à la manche 5 et après je crève. Normalement. On doit fortifier le périmètre. Mais là, j'ai mal joué. Pas mal. Avec le hachoir, par contre, c'est cool. Mais là, il est trop fort. Allez, la dernière. Voilà, je crève, mais tant pis pour moi. Je peux pas me l'acheter, la tourelle, là ? Non, j'ai pas assez. Pas ça qu'il faut activer pour partir en haut, je ne sais pas, j'ai pas. Elle est magnifique la carte, hein, vraiment. C'était vraiment le. Voilà, c'est la dernière vidéo que je fais parce que je voulais vous montrer la map. Donc, poumon noir sur le pack hors de commande. Voilà, une des trois maps d'ailleurs. À bientôt.